Salut à tous, Dinotrophone épisode 59. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux termes, POSIX et LSB. POSIX, ce n'est pas un nom de suppositoire ou d'autres médicaments, c'est pour Portable Operating System Interface et X pour Unix, et LSB, c'est la Linux Standard Base. Donc, POSIX, c'est quoi en gros? Pour simplifier, c'est un ensemble de spécifications qui permettent de standardiser, de normaliser, de régenter un peu le monde Unix. Ça a été inventé en 1988 pour sa première version, parce qu'avant, c'était la grosse mouise. Quand Unix est né, après la tendance à être copié ici et là, et il faisait des courses, un développeur qui développait un autre programmeur qui développait un logiciel pour un Unix A n'était pas certain que le code source pourrait être recompilé proprement sur Unix B, et encore moins sur Unix C. Donc en 1988, l'I3E décide de dire stop, maintenant on va définir une colonne vertébrale des interfaces de tout ce que doit faire un système Unix ou apparenté. Il doit avoir telle et telle fonctionnalité pour telle et telle commande, on doit trouver telle et telle bibliothèque, tel et tel endroit, et ainsi de suite. Ça fait une espèce de colonne vertébrale qui malheureusement est payante. Et on en est actuellement à la POSIX.2, je crois me souvenir. Ou 2C1, c'est voilà. Vous trouvez les liens dans le descriptif. Donc en gros, c'est une colonne vertébrale. C'est un peu comme le code de la route. Voilà. C'est le même principe que le code de la route. On fait ça, ça, ça et ça, en fonction de ça, ça, ça et ça. Ça permet de générer l'ensemble. Donc, pour répondre au principal fait que POSIX était trop cher et extrêmement onéreux, la Linux Standard Base a été définie par un certain nombre de projets de distribution Linux pour dire, bon, on prend les POSIX et on l'adapte à notre sauce pour dire, il nous faut faire ça, ça et ça à tel et tel endroit. Ça complète la norme POSIX. Voilà. C'est l'ensemble bibliothèque standard, quel type de bibliothèque, à quel endroit, quel type d'exécutable, quel type de gestionnaire de fichiers, définition de X et compagnie. Ça permet d'être sûr et certain qu'un développeur qui a une distribution Linux A pourra porter son programme tranquillement sur une distribution Linux B, complètement différente à la base, ne serait-ce qu'en recompilant le code source. C'est ce qu'on appelle la portabilité, ce qui fait que XFCE est aussi bien portable, existe aussi bien sur Ubuntu, que sur Debian, que sur Arch Linux, que sur Manjaro, que sur Slackware, que sur Nutix, etc. Ça permet d'être sûr et certain, et aussi d'ailleurs sur les BSD, c'est-à-dire que les normes qui ont été définies permettent d'être sûr et certain que modulo un minuscule travail d'adaptation, le cœur de ce qu'on a développé sera fonctionnel. Voilà. Et là, dans l'ensemble des spécifications, il y a ce qu'on appelle aussi les run levels, qui est lié à un système 5 init ou 6 init, qui remonte aux années 80. Et si on regarde dans la définition standard, 0 à 6, c'est bien beau. On a toujours au moins deux points qui sont respectés partout, c'est 0 et 6. Après ça, les trois centraux, 2 à 5, ça dépend du système. Si un système dit, bon, l'interface graphique avec le gestionnaire de démarrage, c'est une init 4, il va dire c'est une init 5. Oui, mais ça finit par merder, parce que si un programme a besoin d'un démarrage en mode graphique avec le gestionnaire de démarrage, le gestionnaire de session, il va dire, bon, c'est sur init 4, donc je me lance sur init 4. Oui, mais sur la distribution, ce sera init 5. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de standardisation. Et c'est pour ça aussi que 6.5 init, malgré ses qualités, a fait son âge. Et c'est pour ça que des systèmes concurrents, et parfois plus récents, et parfois même mieux pensés pour les ordinateurs actuels, sont nés, que ce soit Feu Upstart, Systemd, OpenRC, Runit, ou autre. C'est pour compenser. Parce que c'est bien beau de vouloir faire tout ça à sa propre sauce, mais on finit par ne plus pouvoir être portable. Ça finit dans l'anarchie au sens le plus péjoratif du terme. En clair, c'est la merde. C'est pour reprendre l'image de code de la route. Si un pays disait, bon, le panneau hexagonal, maintenant, ça ne sera plus le panneau stop, mais ce sera le panneau vous pouvez foncer, alors que dans tous les codes de la route du monde, le seul panneau qui soit hexagonal, c'est le panneau d'arrêt impératif. Vous imaginez le massacre ? Donc c'est pour ça que les normes POSIX qui sont hyper chères et les normes LSB qui sont, elles, gratuites, ont été mises au point. Ça permet de définir un standard,
un squelette de ce que doit être. Ça doit se retrouver à tel endroit, à tel type de logiciel et compagnie. C'est un standard. Ça permet de simplifier la vie des développeurs. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!